Salut, Tantine. Salut. Je ne sais pas si tu te diriges vers la même direction que moi. Je ne sais pas si je peux t'aider. Désolée, sommes-nous déjà vus? Ah, ce n'est pas du tout mal. Mon nom, c'est Norin. Alors, je me dirigeais vers le supermarché, acheter quelques articles. Alors, comme j'ai vu une belle créature comme toi, je me suis décidé de m'approcher. Ça, c'est très bien. J'ai vraiment apprécié. J'ai pensé si on s'était déjà vu quelque part. Pas du tout, mais sache que c'est vraiment un plaisir pour moi de te faire connaissance et surtout si tu me donnes l'opportunité et le plaisir de te conduire. Ben, j'ai déjà ma destination. Merci beaucoup. C'est génial. Du fait que tu as utilisé les mots presque, cela veut dire la même direction que moi. Alors, si tu me permets, je peux te rejoindre à ta direction où tu me rejoins. Nous nous rejoignons à C'est la même très drôle. direction. Ok. D'accord? Ah, ça Ouais. c'est génial. Laisse-moi t'aider. Merci beaucoup pour cette gentillesse. Oh, c'est rien, c'est rien. Je t'en prie. C'est ici que tu habites ou tu viens visiter? J'habite ici. Oh, waouh! Ah, veut dire que tous nous sommes proches. Ah bon? Oui. Alors, moi, j'habite quelque part en descendant vers la route qui prolonge vers la ville. Ok, là-bas. C'est un plaisir pour moi de te rencontrer. C'est un plaisir pour moi aussi. Comment puis-je appeler cette créature? Je m'appelle Nkassi, mais mes amis m'appellent Cassie. Cassie, 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 Cassie. Vraiment, j'aime le son des noms. Ça sonne bien. C'est bon. Mais mes amis disent ça, mais dans le sens de blaguer. De toute façon, je suis en train de me diriger vers la place du rendez-vous. Alors, je ne sais pas si on peut se fixer pour se connaître beaucoup plus. Alors, si ça ne dérange pas, donne-moi ton numéro. OK. Mon téléphone est là. C'est ça. D'accord. Alors, c'est Cassie ou Cassie? Peu Alors, importe. je peux appeler Cascas C'est très drôle. Pas de Cascas. problème. Ok, merci. Je te verrai alors plus tard. D'accord. Prends soin de toi. Merci. Oui.
Mira. Soyez la bienvenue, maman. Qu'est-ce qui t'est arrivé? La grande sœur Blessing m'a frappée. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle t'a tapé sur le visage? Pourquoi? Je n'avais pas fini avec mon exercice et j'étais allée me promener, c'est pourquoi. Désolée, bébé. Désolée pour t'avoir mis dans ce pétrin. Je t'ai vite partie habiller un client, ok? Ok. Je promets, ça n'arrivera plus jamais. Désolée. Désolée, mon amour. Hein? Si elle te gifle encore prochainement, n'hésite plus jamais de m'appeler. Entendu, chérie? D'accord, je t'aime beaucoup. Y a-t-il quelqu'un ici? Bienvenue. S'il te plaît, prends place. Sens-toi à l'aise. Ok, merci. Vraiment, ta maison est belle. Merci beaucoup. Alors, que puis-je t'offrir? Oh, ne te dérange pas, ok? Actuellement, je pensais si on peut aller prendre un jus dans un endroit frais. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Ça serait une bonne chose, mais ma fille va bientôt revenir de l'école. Ta fille? Oui. Tu ne m'as pas dit que tu es un enfant. Peut-être qu'on n'a pas fait une introduction appropriée. Ok. Présente-moi, c'est vrai. Alors, es-tu mariée? Non, je ne suis pas mariée. J'avais une relation amoureuse et j'étais tombée enceinte. Le monsieur avait suggéré l'avortement et j'avais refusé. Et il avait rompu avec moi sans pour autant prendre ses responsabilités. Hé, je suis désolée pour ça. Ok, vraiment ça fait mal. Désolée, tu as dit. Pourquoi? Je veux dire, ma fille est une bonne chose qui me soit arrivée. Je ne regrette pas de l'avoir. Ça doit être elle. Oh, ok. Allez, entre. Vas-y, ouvrir. Bonjour. Ok, bébé. Comment se passait l'école? C'était bien. Ok, dis bonjour à mon ami. Bon après-midi, mon oncle. Bon après-midi. Comment toi? Je vais bien. Okay. Tu es vraiment belle. Merci. Je t'en prie. Alors va à l'intérieur et enlève tes uniformes et prends ton bain. Je viens te rejoindre, ok? Ah, tu as une grande fille. Oui, elle a grandi. Ok, laisse-moi faire un truc à manger pour elle. Oui, bien sûr, bien sûr. Bébé, tu te rappelles du garçon qui m'avait accompagné le mois passé? Melvin! Oh, ce mec-là gentil? C'est vraiment lui. Quelles sont les nouvelles sur lui? Il me demande de sortir avec lui. Il a dit qu'il m'aime. Waouh! Il te veut! Ça, c'est une bonne chose. Mais, bébé, à quoi penses-tu? Sérieusement, je ne sais quoi penser, Lisa. Je ne veux plus entrer dans une histoire qui va briser mon cœur. Mais je l'apprécie aussi. J'étais avec lui. On se sent déjà amoureux.
Je vois que tu es attiré par ce jeune homme. Tu l'aimes. Bien sûr. Je te connais. Mais je veux te rappeler, ma chérie, la majorité de ces actes ont toujours tendance à tourner en mal après. Ok? Bon. Tout ce que je peux te dire est que tu es un adulte, tu sais ce qui est bien pour toi. S'il te plaît, sois très prudente. Ok? Tu as raison, Lisa. Tu sais, j'ai arrêté d'aimer les hommes depuis que j'ai ma fille. Je m'occupe juste de mes business et je prends soin de Mira. Mais j'ai eu beaucoup de propositions de relations amoureuses, mais ça ne m'a jamais intéressée. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je ressens ça pour lui. Je ne sais pas pourquoi est-ce que son cas est différent, je l'apprécie. Quoi? Je regarde ma copine qui est amoureuse. De toutes les façons, comme je l'avais dit avant, tu es un adulte. Tu sais ce qui est bon pour toi. C'est pas que je t'ai tourné les dos pour cette situation. Mm-hmm. C'est juste que suis ton cœur, mais sois très prudente. Ok? Je suis prudente. C'est je bien. Je suis très prudente. Ma chérie, y a-t-il un problème? Le fait de nous jeter tous hors de la maison, je ne sais quoi faire. Ce n'est pas comme si j'ai gardé assez d'argent pour me trouver un nouvel appartement. Ce n'est pas un problème, ok? Tu es à moi, tu peux venir rester avec nous ici. Mira sera contente de toi ici. C'est une blague, c'est ça? Je ne blague pas, il n'y a que moi et Mira ici à la maison. Alors, tu veux venir rester avec nous? Oh, ma chérie, merci ma copine. Thank you. Alors, bienvenue chez moi. Oui, la place est là, tu peux t'asseoir. Merci. Merci. Oh mon cher, c'est comment? Mm-hmm. Comment ça va? Oui, ça je vais bien. Désolé mon pote. Elle c'est Cassie, ma chérie. Cassie, voici mon frère André. Le plaisir est le mien. Oh, c'est fini, enlève ta main. Chérie, tu peux t'asseoir et sens-toi à l'aise. Tu prends quoi? Comme vin... Bière, jus. Les jus, c'est mieux. Peu importe. Tu es sûr? Ok, je viens. Comment ça va, mon cher? Ça me fatigue. Ok, je cherche un peu quelque chose. Oui, mais voici. Finalement, je suis là. Est-ce qu'il va bien? Hmm? Ton frère. Bien sûr, j'ai apporté les jus, ça va? Rien du tout. Ah, de toute façon, ah, laisse-moi te servir les jus. Alors, tu m'avais dit que c'est demain que tu vas commencer les études. Tu okay. vas étudier, ok? Tu m'as dit que demain, tu dois commencer tes études. Ouais, ce n'est pas un problème. Je prends d'abord. Pour me croire. Ce n'est pas mal du tout. Je pensais si je peux t'accompagner. Pas question, ce n'est pas professionnel. Mais t'inquiète. Je ne prendrai pas une journée pour le faire. Okay. Je vais rentrer avant que tu ne le saches. Oh, c'est quoi ça? Tu sais que je me sens bien si je suis avec toi. Hmm? J'ai besoin seulement Bébé, de te voir. Arrête. Oh, tu rejettes mes avances? Arrête de tu me déranger. Tu es sûr que tu ne veux pas ça? Bébé, arrête. Chérie, arrête, non. Permets-moi. Je suis contente que tu m'aies acceptée dans ta maison. Je te promets que j'aurai bientôt mon appartement. Et je vais partir. Arrête, Alisa. Tu n'as pas à t'inquiéter de quelque chose. Tu peux rester autant que tu voudras, ok? Je veux dire, à quoi sert l'amitié si seulement on ne s'entraide pas? Je ne suis qu'avec Mira ici à la maison, ok? Merci beaucoup. De rien. Honnêtement, tu ne sais pas ce que tu fais pour moi. Que Dieu te bénisse. C'est rien du tout. D'ailleurs, Mira sera très contente de te voir ici à la maison. Je le ben, sais. Laisse-moi te faire quelque chose à manger. Juste pour aujourd'hui. Juste pour aujourd'hui, oh, je ne le ferai plus. Ne te dérange pas après cet instant. D'accord. Je vais préparer pour toi. Merci. Juste pour aujourd'hui, oh. Pas de problème. Heart can take, should be peace and nothing more. What the heart can take, should be peace and nothing more.
Mira, tu vas bien? Maman, dis-moi, quand est-ce que je verrai mon père? Mira, pas ça. D'où est-ce que tout ça provient encore, ma chérie? Viens d'abord, approche. Nous ne sommes qu'à deux. Ton père n'a jamais voulu de nous. On n'a pas aussi besoin de lui, ok? Maman, j'ai besoin de lui. Maman, j'ai vraiment besoin de lui. Car il doit vraiment prendre soin de moi et s'occuper de toutes choses, maman. S'il te plaît, j'ai besoin de mon père. Mira, apprends toujours à apprécier ce que tu as. Je fais de mon mieux pour que nous ne puissions manquer de rien. Ça sera une bonne chose si tu l'oubliais. Alors, va terminer ton devoir. S'il te plaît, vas-y. Hein? Mira, oui, tu vas bien? Tantine, s'il te plaît, sais-tu où habite mon père? Oui, je sais. Peux-tu m'accompagner là-bas? J'ai besoin de le voir. Mira, je suis désolée, je ne peux pas t'amener où ton papa est parce que je ne connais pas là où il se retrouve. Et je ne suis pas sûre que ta maman aussi sait là où il est. Donc, toi, oublie-le juste. Hein? Tantine. Tantine, écoutez, s'il vous plaît. Oh, regarde, Mira, faut pas commencer avec les histoires de papa, papa, papa. Regarde, tu sais que ta maman t'aime beaucoup et prend soin de toi. C'est tout comme problème, ok? Oh, mon bébé. Maintenant, dis-moi un peu. Hé, hey, hé. Hey. Oh, maman. Salut. Salut. Comment ça va, Mira? Je vais bien. Je te vois triste. Qu'est-ce qu'il y a? Viens, viens, viens. Viens ici. Allez, je t'ai apporté ces cadeaux. Merci beaucoup, mon oncle. Je t'en prie. Comment tu le trouves? C'est comme si elle aime. C'est sûr. Qu'est-ce que tu préfères? Je vous dirai, mon oncle. Ah, tu sais quoi? Sois toujours une bonne fille, ok? Et très calme. Étudier beaucoup pour devenir une meilleure dame dans le monde. Ok? We've been through many things. We've gone through many things. That turns our heart. Maman? Ah, bébé. Tu es de retour? Oui, je suis de retour, maman. Vous allez bien? Oui, je veux bien. Juste des petits stress du boulot. D'accord. Comment se passait l'école? C'était bien. Es-tu sûre? Oui. Tu n'as pas cherché des problèmes à quelqu'un? Non. Personne ne t'a aussi provoqué? Non. Ok, maintenant tu vas entrer pour enlever tes uniformes pendant que je te fais un truc à manger, ok? Ok. Bébé, tu peux imaginer qu'un vieil homme m'a suivi aujourd'hui. Cassie. Allô, Cassie, tu vas bien? Bébé, parle-moi. Qu'est-ce qui se passe? Bébé, je suis sans mots. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'étais descendue chez Melvin et à mon retour du boulot. On était ensemble en train de jouer, s'amuser. Directement, son téléphone avait sonné. C'était écrit « Premier amour ». Il ne voulait pas décrocher, mais je l'avais forcé. Et il avait dit qu'il va la rappeler après et que ce n'était pas important. Je n'étais plus en paix. Je pensais qu'il m'ait trompée. Bébé, je l'avais giflé et bousculé. Et pourtant, c'était sa mère qui l'appelait. Tu as fait quoi? Je m'étais sentie humiliée, j'étais partie. Depuis lors, j'appelle son numéro, mais il ne répond pas. D'ailleurs, ça ne passe pas. Apparemment, il m'a bloquée, je ne sais pas. C'est pas vrai. Bébé, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi n'as-tu pas réfléchi avant d'agir? Lisa, je suis confuse. Je ne sais quoi faire.
Tu étais ivre? Bébé, non. Kansi, c'est ce que tu es devenu? Gifler un homme, c'est vrai? Et si alors il t'avait aveuglé par une bonne gifle? Sérieusement, je suis très déçue de toi. Toi, trouve-toi tellement moyen de te faire pardonner. Comment peux-tu expliquer une relation qui n'a fait que 3 mois devienne déjà toxique? Bébé, je suis sérieusement amoureuse de Melvin. Sur ce point, je me sens en insécurité. Je ne sais pas. Non, tu n'es pas en train d'être en insécurité. Tu y es déjà en insécurité. Toi, va juste demander pardon. Là, c'est si seulement il va te pardonner parce que tu lui as fait sentir comme s'il n'était pas un homme. Tu peux juste... Oh, je ne comprends pas ce qui ne va pas avec toi. Est-ce que tu peux gifler ton homme? Toi aussi, juste... Bébé, s'il te plaît, je suis désolée. Bébé, je suis désolée. Désolée, bébé, je ne sais pas ce qui m'était arrivé. Ça ne va plus jamais se passer, s'il te plaît. Alors, c'était quoi mes offenses? Est-ce que j'ai commis un crime envers toi? Je suis désolée. Mon cher, ok, elle s'est excusée. Alors, tu dois trouver un moyen pour lui pardonner. Bébé, je suis profondément désolée. Ça ne va plus jamais se passer, s'il te plaît. Ça suffit, ça suffit. Ne fais pas ça. Tiens-toi debout. Tu m'as pardonné? Tiens-toi debout, s'il te plaît. Ça suffit. Viens là, je te pardonne. Alors, nous sortons un peu. Alors, tu peux nous accompagner? Oui. Ok. Alors, on va où? Mon cher, ouvre le portail. Vas-y, monter par là. Bébé, ça ouais. C'est mon boulot. C'est devenu trop difficile pour moi. Maman, ton téléphone sonne. D'accord. Allô, bébé. Je vais bien, chérie. Ça sera une bonne chose. Mais j'ai un tout petit peu peur. Ok, je comprends bien. Ok, tu sais quoi, bébé? Laisse-moi te rappeler après. Je t'aime. Qui mérite encore d'être appelé bébé et chérie? Qui encore si ce n'est pas Melvin? C'est Melvin, bien sûr. Melvin? Mm-hmm. Oh, je crois que vous vous êtes battu. Pas du tout. On a fait la paix. Waouh, c'est vrai ça? Ouais, je voulais te dire comment est-ce que j'étais partie chez lui pour lui présenter mes excuses. Bébé, Henri était mon sauveur. Tu sais quoi? Henri avait demandé pardon pour moi. Et il avait accepté de me pardonner. Melvin est vraiment un bon gars. Oh, je suis heureuse que vous aviez pu arranger. Ok. Cassé. Ah, écoute, je n'essaye pas de te dire... Comment tu peux vivre ta vie? Mais je pense que tu dois te calmer et apprendre comment le manager. Écoute bébé, cette habitude de toi de gifler les hommes n'est pas une bonne habitude. Lisa, n'allons pas jusqu'à ce niveau, je t'en prie. J'avais accepté mes erreurs et j'ai déjà demandé pardon. Pourquoi tu me prends toujours comme une mauvaise personne? C'est bon, je suis désolée. Mais je veux juste parler. Je t'ai bien écouté. Merci. Ça va, on ne te chamaille pas, ok? Ne t'inquiète pas, ok? Elle va se rétablir.
sa température est élevée. Et aussi son souffle. Oui, ne t'inquiète pas, elle va se rétablir. Peut-être comme il y a l'augmentation de la fièvre, mais comme le docteur l'a dit, et après avoir lui donné les traitements appropriés pour normaliser la température, toute chose ira mieux, elle va se rétablir. Bébé, j'ai peur. J'ai tellement peur. Je veux qu'elle se sente bien. Elle va retrouver sa santé. Ok? Ne t'inquiète de rien. Ok. Tu vas bien te sentir, ma chérie. Hmm? Elle a accepté? Elle a accepté? Oui. Ça, c'est un bon signe. Wow. Comment ça va, mon cher? Oui, et ça va. Est-ce que tu sors aujourd'hui? Non, je ne pense pas. J'ai un petit travail là. Ok, j'ai un rendez-vous que je dois honorer aujourd'hui. Alors, est-ce que je peux prendre ton véhicule? Oui, comme je suis à la maison, ce n'est pas un problème. Le contact est là. Alors, merci. Mais conduis bien. Merci beaucoup. Ok, et protège-toi. C'est bon. D'accord. Oui, je viens. Bienvenue, madame. Fidèle, comment vas-tu? Je vais bien. Bienvenue, maman. Merci. Comment tu vas, Je vais bien. Merci énormément pour la fois passée. Merci d'avoir accepté mon comportement. J'avais tellement apprécié. C'est bon, mais je veux aussi que tu saches que mon cher t'aime beaucoup. Hein. Alors, tu dois être attentif. Ne pense pas que l'amour garantit tout. Je ne le ferai pas. Ce n'était pas intentionnel. C'est bien. Alors, je te laisse déjà. J'ai un rendez-vous que j'honorerai et je dois partir. We've gone through many things that taunt our hearts. We've been through many things. Qu'est-ce que ce monsieur a dit à propos de ces dossiers? Salut, bébé. Hey! Bébé, je pensais que tu étais allé à Abuja avec Mira voir ta tante. Oui, bébé, je suis déjà de retour. Ah, si je ne me trompe pas, tu as dit tu feras tout un bébé, jour là-bas. Bébé, je le sais très bien, mais je suis déjà de retour. Je ne t'ai pas du tout manqué. Oh, bébé, pourquoi dire quelque chose de ce genre? Je pense que je t'ai manqué. Tu devrais me dire. Es-tu sûr? Tu devrais me dire que... Tu viendras à la maison quand on a causé avec toi ce matin. Je voulais te surprendre parce que tu me manques énormément. Ok, viens là. Mmh. Je t'ai beaucoup manqué. Hein? Alors, que fais-tu? C'est un travail, bébé. C'est un travail, je sais ce que tu veux comprendre. Alors, je dois faire vite. Bébé? Bébé? Ah, bébé? Bébé, je m'apprête pour le travail. Mes clients m'attendent là-bas. Apprête déjà le déjeuner. Oh, bébé, il n'y a pas de petit déjeuner, chérie. Va chercher quelque chose à manger à l'extérieur. Je te ferai un truc à ton retour. Oui, ok? Je t'assure, mon amour. Ok. Ne t'en fais pas. Je suis déjà en retard. Je fais un peu vite. D'accord, mon amour, ok? Alors, moi, je pars. On se voit le soir. D'accord. Ok? Bye. Salut bébé.
Oui, mais voici. Comment ça va? Bienvenue, bébé. Comment ça a été au boulot? Ah, beaucoup de stress. Quand même, ça a été. Ok. Et la journée est finie. Alors, demain, c'est notre jour. Qu'est-ce qui s'est passé quand je t'ai appelé? Est-ce que tu as essayé d'arranger certaines histoires aujourd'hui? J'essaye. Je vais toujours essayer. Mais, Kansi, c'est quoi ça? Tout est en désordre. Les pains éparpillés partout. Regarde mes choses précieuses. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais tout arranger. J'étais au téléphone avant que tu n'arrives. Tu essayais de les arranger quand tu étais à l'extérieur, avec un verre de jus et les morceaux de pain éparpillés partout. Et de l'autre côté, il y a une tasse de thé. Et explique-toi. Assez. Mais ça suffit, c'est quoi ça? J'ai déjà dit que je vais tout arranger. Je vais tout arranger. Tu es allé les arranger et je te trouve à l'extérieur. Tu as laissé la maison en désordre. Je vais l'arranger. Laisse ça. C'est quoi? Je te pose la question. Tu refuses de me répondre et tu fuis en chambre. Reviens ici pour m'expliquer. Mais qu'est-ce que tu as? Tu ne peux que crier à tout moment. Oh, je t'ai dit que je vais arranger la table. Mais tu ne peux que crier. Non. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Moi, à ta place, j'allais m'excuser. Et tu avances des raisons inutiles, tu veux que je m'excuse à ta place? Je m'en fous, tu n'as qu'à faire ce que tu veux, ça m'est égal. Qu'est-ce qu'avec toi? Je vais arranger, c'est tout. Je suis sûr que je l'ai toujours fait moi-même. Oui, je suis ta petite amie. Essaye un peu de bien regarder. Regarde comment est la chambre à coucher. Oui, je ne suis pas ta bonne. Melvin, je ne suis pas ta bonne. Laisse-moi tranquille, ne me dérange pas comme ça. J'en ai marre de te plaindre. S'il te plaît, laisse-moi. Tu t'es fatiguée de me plaindre? Oui. Est-ce que tu t'entends parler? Regarde comment tu as laissé la chambre à coucher en désordre. Engage quelqu'un et non moi. Excuse-moi. Peace and nothing more. What the heart can take should be peace and nothing more. Anything aside peace, it's a red flag. Anything aside peace, oh, it's a red flag. Oh. We've been through many things, we've gone through many things that taunts our hearts. We've been through many things, we've gone through many things. Oh, maman, ma chérie, est-ce que ça va? J'ai de la fièvre. J'essaie de stopper une voiture, mais aucune voiture ne s'arrête. Oh, mon Dieu, où est-ce que tu vas? L'avenue Djibola. Ça te dérange que je t'accompagne? Ça va, merci. Entre attentivement. Et qu'est-ce qui t'est arrivé exactement? Tu le sais, je n'en ai pas. Ça te dérange qu'on aille dans une pharmacie? Ok. Alors, allons d'abord. It's a red flag. Merci beaucoup pour ta gentillesse. J'ai vraiment apprécié. Je ne peux jamais oublier ça de toute ma vie. C'est bon. Prends soin de prendre tes médicaments, ok? Je le ferai. Est-ce que je peux connaître ton nom? Oh, je m'appelle Henri. Ok, suis Lisa. Ok. Mais est-ce que tu peux me donner ton numéro pour que je puisse t'appeler? Pas de problème, comment, ok. Comment tu te portes? 091-222, encore 2, et 850-19. Je te fais rien à l'appel, ok? Pas de problème. Alors, merci. Merci encore. Bon, d'accord, au revoir.
Pas ces restaurants, oui. Oui, oui, je préfère celle-là, pas la première. Oh, je sais, ok. Je pense que tu me plais aussi. Oh, bébé, s'il te plaît, je peux t'appeler après. Bye. Bébé. Bébé. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as l'air très heureuse, mais tu t'es malade, n'est-ce pas? Mais toi! Oh bébé, deux jours passés, on m'a aidée. Ok. Et nous avions parlé avant que mon corps ne change. Avant de les rencontrer, j'étais vraiment fiévreuse. Une longue histoire devient courte. La personne m'a aidée. Il m'a amenée dans une pharmacie. Il m'a acheté quelques médicaments. Et c'est comme ça que nous avions parlé, comme des bonnes amies. Oh, mon Dieu, il est tellement bon. Regardez-moi, tu es déjà tombée amoureuse dès que je te regarde. Quitte-la. Peu importe, je suis contente que tu sois heureuse. Je n'ai même pas envie de te demander comment est-ce que tu vas parce que tu te sens déjà très bien. Oh, je veux parfaitement bien. Peu importe, je suis venue prendre quelque chose. Mais je vais rester un peu ici avant de rentrer à la maison. Ma chérie, attends. Et comment va ton gars, Melvin? Moi aussi, j'ai trouvé les miens, n'est-ce pas? Bébé, c'est une très bonne chose. Tu dois aussi l'expérimenter, n'est-ce pas? C'est bon. Ok, je te rejoins bientôt. Tu peux retourner à ton appel. Sûr. Oh, bébé. Je suis désolée pour ça. Ma copine venait juste de rentrer. Tu disais? Mon cher, comment? Hey, Henri! Je ne t'ai pas vu hier soir. Oui, j'étais juste avec les amis. Ah, ok. Oh, mais mon cher, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais Cassie était celle qui devait faire ça, non? Pourquoi, mon frère? Hey, mon cher, ça c'est un travail de tout le monde. Oui, ce n'est pas mal, toi, si tu peux le faire. Mon cher, je ne vais pas me gérer dans votre relation, mais est-ce que vraiment tu penses que... Tu penses vraiment qu'elle est une bonne personne pour toi? Henri, elle est mieux pour moi. Mais je te vois, tu as changé. Je ne sais pas pourquoi tu me poses toutes ces questions. Pour répondre à ta question, j'aime Cassie. Et je m'arrête là. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'elle t'aime de la même manière que toi, tu l'as fait pour elle? Il y a des signaux rouges. Et j'espère que tu les vois, mon frère. J'espère que tu les vois. Il y a des signaux rouges. Et j'espère que tu les vois, mon frère. J'espère que tu les vois. Je ne trouve aucun problème si moi, je te le change ma maison. Ça, c'est ma maison, je peux les ranger comme Cassie aussi peut les faire et c'est un travail de tout le monde. Tu comprends? Alors, il n'y a pas assez de problème. We've gone through many things that taunts our hearts. We've been through many things. We've gone through many things. But peace of mind, you need peace of mind. Kansi, vraiment, c'est toi qui es incroyable. Tu n'es pas seulement incroyable, mais tu es aussi fou au même moment.
Tu m'as emmenée là-bas pour me montrer une de tes petites amies. Et tu viens me dire qu'elle est ta cousine. Honte à toi, Melvin. Honte à toi, menteur. Qu'est-ce que tu vas me dire? Je suis déçu. Je suis aussi déçu. Je suis bel et bien aussi déçu. M'avais-tu vu en train de rencontrer une femme? C'est ce que tu as fait. C'est ma cousine. Ça fait un bout de temps que nous ne nous sommes pas vus. Et voilà, aujourd'hui, je m'étais décidé d'aller lui dire un petit bonjour et regarde ton attitude à propos. Je ne te suspecte pas seulement, mais tu étais sorti. Ok. Je dois te donner... Tu la fermes, écoute-moi quand je parle. Ce n'était qu'un simple effet. De manière que, à la fois qui aura suivi, que je puisse demander ta main en mariage. C'est une très malchance parce qu'elle est bloquée. N'ose même pas surtout de m'approcher. Toi-même, tu sais ce que tu as fait. Un caractère qui n'est pas digne et plein de bêtises. Ne me touche pas. Chérie, s'il te plaît. Quitte-la. Melvin, s'il te plaît. Please come back to me. I'm sorry for all. Forgive me, I'm sorry for all I've put you through. Baby, I'm sorry for all I've put you through. I don't know what to do. I don't know where to go without you. Please come back to me. Entrez. Entrez. Oh. Dis-moi, comment tu vas? Sois le bienvenu. Tu as une très jolie maison. Merci. Prends place et sois à l'aise. Et qui est-elle pour toi? Oh, c'était le cas, ma copine. Tu sais, je t'avais parlé que j'avais un appartement en problème. Alors elle m'a logée. Vraiment? Oui. Alors, c'est la copine de mon ami. Ne me dis pas ça. Oui. Donc tu es l'Henri dont elle me parle. Waouh, quelle exactement. Coïncidence. Oh, c'est bien, mais toi. Et c'est à toi? Tu en as quelque chose de comme ça? Oui, elle a une fille. Ton frère ne t'avait pas dit qu'elle avait un enfant? Ah, non. Est-ce que le bébé est dans les environs? Non. Elle est partie passer ses vacances chez ses tantes. C'est vraiment, vraiment chaud. Oh, c'est bon, on a assez parlé de ça. Que je t'offre quoi? Rien du tout. N'importe quoi. Oh, de l'eau? Sûrement. Ok, pas de problème, je t'amène de l'eau gazeuse. Sérieusement, je comprends pas ton problème. Pourquoi tu as gardé tout ça pour toi-même, Kansi? Pourquoi tout le temps, c'est toi, toi, toi? Regarde seulement comment tu as tout ruiné. Lisa, je me bats à me surpasser. Je fais un effort, mais ça ne marche pas. Tu connais très bien mon comportement. Tu le sais. Et... je ne suis pas une bonne fille. J'ai peur quand mon homme sort et s'il va parler avec qui. Mais il mettrait d'une méchante que je ne sais pas protéger, ce qui m'appartient. Bébé. S'il te plaît. Je te l'ai toujours dit, être trop jalouse et super protectrice ne peut pas garder un homme. D'ailleurs, ça le fait fuir. Et ça te rend toxique. Je n'ai pas dit que tu ne dois pas être jalouse. Mais tout excès nuit, ma chérie.
Regarde maintenant comment tu es en train de traiter un homme qui veut réellement t'appartenir. Juste à cause d'une personne qui est venue faire déjà avec toi. S'il te plaît, aide-moi à les supplier. C'est tout ce que je te demande. Aide-moi, parle avec lui. Je suis enceinte. Tu y es quoi? Oui. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Je ne sais pas comment lui parler. Il évite de me parler depuis lors et je me suis fait excuser, mais il refuse toujours. Ça, c'est parce qu'il a mal à la tête. Et on peut dire qu'il est fatigué. S'il te plaît, aide-moi à parler avec lui. J'espère qu'il va très bien t'écouter. Je t'en prie. Should be peace and nothing more. Eric, comment ça va? Oui, ça va. Où est-ce que tu parles comme ça? Oui, je... J'étais allé voir la fille de l'autre fois. Concernant cette propriété. Ah, ok, c'est bien. Tu te rappelles de la fille de l'autre fois? Oui, c'est une belle fille. C'est quoi alors avec elle? Moi, je pense que... Je commence à tomber amoureux d'elle. Je prends le temps de l'étudier, mais elle est vraiment parfaite. Waouh, ça c'est génial. Et la fois passée, je lui avais rendu visite. J'avais vu le portrait de Cassie. Lui demandant, il me dira que Cassie est son amie. Oh, quelle coïncidence alors. Ah, ce n'est pas un problème si elles sont amies. Maintenant là, je sais que Cassie, c'est une femme vertueuse. Et j'ai aussi vu une affaire. Et quand j'ai demandé, elle m'a dit que ça appartenait à la fille de Cassie. Es-tu au courant qu'elle a un enfant? Oui, je suis au courant. D'ailleurs, sa fille s'appelle Mira. Et je l'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment très intelligente. Mon frère, je pense que tu commets une très grande erreur. C'est vrai? En fait, la fille en question est une fille mère. Et elle n'a pas de bonnes attitudes. Elle en a des mauvaises. Ah, d'où vient ce mauvais caractère alors? Du fait qu'elle est toujours seule avec sa maman et je me demande d'où vient ce mauvais caractère? Oui, je l'aime parce qu'elle est toujours seule avec sa maman et sa maman est super. Alors comment est-ce que tu l'appelles comme ça? Quelqu'un qui se plaint d'absolument tout. Tu t'inquiètes beaucoup. Moi j'aime Kansi comme ça. Et je suis certain qu'elle va changer. Elle va changer? Oui. Et continue toujours à s'empirer. Est-ce que tu peux me dire à quand remonte le jour où tu as passé des moments paisibles avec elle? De toutes les façons, bonne chance mon frère. À bientôt. Melvin, please. She's really, really sorry. And she's ready to change. Please. Ça, ce n'est pas son vrai caractère. Je suis désolée. S'il te plaît, donne-lui notre chance. C'est mieux de demander à ton amie qu'est-ce qu'elle veut réellement. Je l'aime, oui, mais les petits moments que nous venons de partager avec elle, ses comportements me font peur. Melvin, qu'est-ce que t'aimes réellement? Comme je te l'ai dit, ce n'est pas son caractère. Tu sais, le père de sa fille a fait qu'elle puisse croire que être compréhensif et compatissant n'est pas une bonne chose. Il lui trompait tout le temps et il faisait qu'il se batte n'importe comment. Et lui abandonnait quand il était grosse de sa fille. Elle le sait juste de te protéger contre d'autres filles là-bas dehors. Cherche à se battre avec moi publiquement. M'embarrasser tout le temps. Tu veux dire que c'est accidentel? Avant tout, je ne suis pas le père de sa fille. Deuxièmement, elle n'a pas la chance de me demander quel amour que j'ai envers elle. Alors, pourquoi elle se bat elle-même et cherche à me faire payer les pots cassés? Je comprends comment tu te sens. Non, tu ne comprends pas. Je le sais. S'il te plaît, je te demande pardon. S'il te plaît, pardonne-lui pour l'amour que vous partagez ensemble. Mervyn, Cassie est grosse. Pour qui? De toi. Tu blagues, n'est-ce pas?
Je ne blague pas, Mervyn. Elle m'en a parlé et elle m'a montré le résultat. Je suis sérieuse. Elle a juste peur que tu l'abandonnes comme l'autre homme a fait. Attends, je ne peux pas l'abandonner, ok? Je veux actuellement que je pardonne Cassie. Je l'aime, mais... Ok, pas de problème. Je t'ai écouté. Je vais faire mon mieux pour l'aider, ok? C'est bon. Oui. J'ai vraiment apprécié ça. Non, pas de problème. Oh, okay. C'est bon. Je pars maintenant. Je suis vraiment désolée, comme je ne t'ai pas offert quelque chose jusqu'à ça tel va. Point que tu es partie. Comprenez mon humeur. C'est pas un problème. Pardon. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas tard pour le faire. Ne t'en fais pas, je veux bien. Ok. Et où est-ce que j'ai laissé mon téléphone? What the heart can take should be peace and nothing more. What the heart can take should be peace and nothing more. Oui, qui est là? Qui est là? Entrez, la porte est ouverte. Bébé. Hé. Hey. Qui est là? Oui. Bébé, je suis désolée. Chut, arrête, bébé. Ok? Je te pardonne. Je l'ai dit, je t'ai pardonné. Regarde-moi dans mes yeux. Je sais que tu as parcouru beaucoup de choses. Ma parole est que tu as été un sujet de déception. Mais j'aimerais que tu saches que je t'aime. Je veux t'aimer sans condition. Je t'aime, bébé. Tu es toute chose dont je veux. Alors, permets-moi de te traiter comme une personne vertueuse, de manière que tu veux que tu sois traité. De ces faits, j'en profite pour te dire que... Bébé. Bébé, j'ai besoin que tu sois la maman de mes enfants. Pardon, marie-moi. Oui, bébé, je vais t'épouser. C'est vrai? Oui, bébé. C'est vrai, ça? Ah, bébé. Merci beaucoup. Viens, chérie. Merci, je t'aime énormément. Également. Je t'aime, chérie. Je t'aime. Oui. Merci. Through many things, we've gone through many things that taunts our hearts. We've been through many things, we've gone through many things. Bébé, est-ce que tu vas bien? Oui, ne t'inquiète pas. Pourquoi est-ce que tu ne dors pas? Je vais dire. Mon cœur éprouve une grande joie. C'est imaginable. Je suis impatient d'attendre pour rencontrer les bébés qui est encore dans ton ventre. Je connais que c'est un garçon. Non, c'est un bébé, fille. C'est un garçon, ne discute pas. Ok. Je t'aime. Je t'aime aussi, bébé. Bien. C'est quoi? Nous devons dormir. Je n'ai plus le sommeil, je veux seulement te regarder toute la nuit. Tu sais très bien que demain, tu dois aller au travail. Alors, oui. Tu dois te retourner au sommeil pour bien te reposer. Ok, tu as raison. Je t'aime, bébé. Je t'aime aussi, bébé. Maintenant, je peux dormir. Allez. Je t'aime bien, mon amour. Je t'aime aussi.
après-midi, qui es-tu? Mon nom c'est Burns, j'ai besoin de Yanga, le propriétaire de cette maison. Qui est là? Madame, elle dit que son nom c'est Doris et elle cherche le propriétaire de la maison. Doris? Je ne connais pas de Doris. Jeune fille, qui es-tu? Mon nom, c'est Doris. J'ai besoin de Monsieur Melvin. Monsieur Melvin, c'est mon mari. Quelle affaire avez-vous? De toutes les façons, j'ai essayé de l'appeler au téléphone, mais il ne me répond pas. Peux-tu aller droit au but et me dire pourquoi est-ce que tu cherches mon mari? Le problème est que Melvin était mon petit ami dans le passé. Et maintenant, je suis grosse. Tu blagues, n'est-ce pas? Je suis sérieuse, madame. Tu es sérieuse? Comment oses-tu entrer chez moi et me dire que tu es enceinte de mon mari? Tu n'as même pas honte, imbécile! Allez, vas-y, sors de chez moi! Sors! Il ne revient plus jamais! Insensé que tu es! Imbécile! Tu es enceinte! Ne connais-tu pas l'auteur de ta grossesse, hein? Madame, je suis enceinte! J'ai fermé les portails, il ne m'appelle plus! Qu'elle n'ose pas entrer dans cette parcelle, je te dis! Fidèle! Qu'elle ne puisse pas entrer ici! Cette fille Doris vient d'être ici. Elle a dit que tu l'as engrossée. Calme-toi, bébé, calme-toi. Je ne connais aucune fille au nom de Doris. Tu ne connais pas qui est Doris? Non, je ne connais aucune fille au nom de Doris. Hé, est-ce que tu peux te calmer? Henri, s'il te plaît, reste en dehors. Jure que tu ne connais aucune Doris. Oui, je jure que je ne connais aucune Doris. Jure que tu ne connais pas que ton frère a engrossé une autre femme. Tracy, calme-toi, ok? Je ne connais aucune Doris. Melvin, calme-toi. Mais pourquoi? Reste loin de moi. Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Qu'est-ce qu'il y a avec moi? Bébé, je peux m'expliquer. Casey. Non. Bébé. Laisse-moi. Bébé. Non, bébé. Pas. Je refuse. Mon cher, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu viens de faire? Henri, je suis vraiment confus. Je suis confus. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne sais plus m'y prendre. Je ne connais pas cette fille, Eric. Je ne la connais pas. Hein? Je ne connais pas cette fille au nom de Doris. Cancel. Je continue de penser que tu dois sortir. Et peux-tu avoir une erreur quelque part? De quelle erreur parles-tu? Une erreur genre il n'a pas couché avec cette fille ou bien il ne la connaît pas du tout? Je ne pense pas que cette fille a monté l'histoire. Je ne pense pas. Ça pourrait être Henri qui a testé ton amour pour Melvin. Je ne pense pas qu'il peut faire ça. Ok, bien! Cassie est stupide, Cassie est malade. Personne ne veut m'écouter, personne ne veut me croire. Melvin est innocent. Ne sois pas agité, tu peux te calmer. Tu peux pas être calme. Lisa, si tu étais à ma place, tu allais faire plus. Cassie! Oh, mon Dieu! Many things, we've gone through many things that turns our hearts. We've been through many things, we've gone through many things. Oh, but peace of mind, you need peace of mind, you need peace of mind to be happy, you heal. Je suis désolé. Cesse de me prendre pour un démon. Mais je crois que je ne le suis pas. Je ne sais pas ce que je fais. Et tu me fais comme si je suis un vaurien à tes yeux. Je t'aime. C'est impossible de faire quelque chose qui peut te choquer. Pas maintenant ou... jamais. S'il y a quelque chose dont je ne sais pas, dis-le-moi, bébé, je vais m'expliquer. Bébé, pardon.
Through many things, we've gone through many things that turns our hearts. Comment pouvais-tu, mon cher? Comment tu l'as fait? Et tu n'as même pas utilisé la protection. Qu'en est-il si elle est infectée, hein? Mon cher, tu connais le genre de femmes que tu fréquentes. Mais regarde-toi maintenant. Hein? Et je suis là en train de te défendre sans savoir qu'est-ce que tu as fait. Henri, je sais pas. J'étais vraiment en ce soir-là. Je sais. Je ne suis pas du tout surprise. Je ne le suis pas. C'est ce que tu fais d'habitude. Beaucoup de filles t'écrivent te disant qu'elles t'aiment beaucoup et toi aussi, tu leur réponds facilement. Et tu me diras que tu m'aimes. Dis-moi ce que tu penses de l'affaire. Ok, on verra. Je t'aime, et toi aussi, tu réponds très facilement. Melvin, mais qu'est-ce que tu fais là? Ok, tu peux aller faire la demande à n'importe qui. Tu peux aller même épouser tout le monde. Tu peux même engrosser toutes les filles que tu veux dans le monde. Je ne te blâme pas. Qu'est-ce que tu veux faire là? Ok. Melvin, tu ne sors pas d'ici. Ne me touche pas. Je ne fais pas ce genre de bêtises. Melvin! Melvin! Et quand je m'étais réveillé le matin, c'est alors que j'avais compris qu'on avait fait quelque chose. Je t'avais prévenu à propos de Cassie. Tu as vraiment fait le têtu. La ligne rouge était là, mais tu n'avais rien compris. Tu n'avais pas écouté et tu n'avais même pas pensé à ça. Regarde ta vie maintenant. Regarde-toi. Je ne sais pas qui lui a donné ces informations me concernant et j'ai tout finalisé. Alors, dis-moi, pourquoi elle fait comme ça? Pourquoi elle fait comme ça? Je pense qu'elle était dans une situation qu'elle ne pouvait pas gérer seule. Oui. All the heart can take should be peace and nothing more. All the heart can take should be peace and nothing more. Je ne sais pas, Lisa, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu peux m'aider à lui parler, si elle peut m'écouter, que je lui dise tout ce que j'ai à dire concernant ce qui s'est passé cette nuit. J'ai quitté cette nuit la maison uniquement parce que je sentais déjà un embrouillement dans ma tête, sans se rendre compte moi-même que je suis en train dans un pétrin sérieux. Je suis aussi choquée. Je n'arrive pas à comprendre comment Cassie a pu changer de la sorte. Hmm? Elle ne va pas croire qu'elle est plus folle que moi. Ouais, justement parce que je pensais que peut-être qu'une personne a créé ses problèmes pour causer des problèmes entre vous. Je ne pensais pas que c'était vrai. Oui, pour être honnête avec toi, je ne sais pas. Ce n'était pas intentionnel. Comme je suis en train de causer avec toi tout de suite là, j'ai peur de rentrer à la maison. Elle me voit comme un démon. Arrête, tu n'as pas raison d'avoir peur. Je te promets de venir. Sois calme, je vais parler avec elle. Sois juste calme, ok? Tout ira pour le mieux. J'espère comme ça. Allô, chérie. Salut, Lisa. Lisa, je veux que tu m'aides à prendre Mira à l'aéroport à 16h.
Je savais que tu allais prendre miracle chez ta sœur. Bien, j'ai changé d'idée. Peux-tu m'aider? C'est bon, à 16h. Ok, merci. C'est bien, bye. Bye. Je viens. Salut. Bonjour, ça madame. Ça va? Mon bébé, viens. Tiens vite, mon amour. Waouh. Chérie, tu m'as beaucoup manqué. Waouh. Ah, chérie, regarde comment est-ce que tu as grandi. Waouh. Viens. Je t'aime. Oh, mon bébé a tellement grandi. Oh, viens. Bienvenue, chérie. Bienvenue. Allons dans la maison. Ça va bien, mon amour. Oh, tu m'as beaucoup manqué. Waouh, je suis tellement contente de te revoir encore. Ouf. Oh, mon Dieu. Ok, elle est là, ta fille. Maman, tout ça, c'est notre maison. Oui, bébé, viens ici. Viens. Maman, c'est notre nouvelle maison. Oui. Donc maintenant, je peux voir mon père. Oui. Tu demandes plusieurs questions au même moment. Oui, maintenant, j'ai un père. Viens, je vais te montrer ta chambre, ok? Oh, laisse, je veux le transporter. Ok, merci pour toi. Oh, ma jolie fille est là. Wow. Bébé, tu ne bois rien? Tu peux te servir à boire? Non, je veux bien. J'ai pas envie de prendre quelque chose. Ok, comme tu le veux. Cassie, s'il te plaît, je veux que tu arranges les choses avec ton mari. Vous ne pouvez pas vivre comme des ennemis, mais dans une même chambre. Toi, retiens-toi et finis ses problèmes avec lui, avant de le perdre pour une autre fille là-bas. Melvin a engrossé une autre femme. Lisa, qu'est-ce qui reste encore pour moi? Il y a beaucoup qui te reste, Cassie. Beaucoup de choses. Alors, s'il te plaît, fais la paix. Avant que tu ne perdes ton homme, tu commences à le perdre petit à petit. Tout le monde ne vient que pour me conseiller. Donc c'est Cassie la mauvaise, n'est-ce pas? Et Melvin est le plus bon. Et personne d'entre vous ne me conseille. Tu peux parler moins fort? Regarde ta condition, s'il te plaît. Melvin n'est pas bon. Vous vous êtes échangés. Vous vous êtes chamaillés. Alors il est sorti de la maison pour se calmer. Et il s'est enivré. Et pendant ce temps, il a trouvé une fille. C'est un homme. C'est vrai. C'est un homme. C'est sûr qu'il t'a payé pour que tu viennes me dire tout ça. C'est vraiment très sûr. Quoi? Oh! De la même façon que tu m'avais payé pour que je parle lui demander pardon pour toi, c'est ça? Excuse-moi. Tu peux t'en aller. Je m'en fous. C'est moi la plus mauvaise. Oh, chérie. Bébé, tu m'en manques énormément. Pourquoi tu ne m'avais pas dit que tu venais aujourd'hui? J'avais vraiment besoin de te surprendre. Et si je n'étais pas à la maison? Mais nous avions parlé. D'ailleurs, tu m'avais dit que tu étais à la maison. Viens, chérie. Merci. Je suis allée chercher Mira à l'aéroport, mais je suis rentrée le plus vite que possible. Mira, qui est-elle? La fille de Cassie. Oh, ok. Ok, qu'est-ce que tu veux prendre? Du riz? Ton riz préféré? Non, toi. Ma préférée. Hey, Mmh.
Comment ça va, bébé? Mon père. Viens comme ça. Regarde-toi, vraiment, tu as grandi. Tu es vraiment en forme. Ma mère me rassurait toujours que j'avais un bon père. Oh, c'est ce qu'elle avait dit? Oui. Elle me disait aussi que j'aurais mes frères et sœurs. Elle t'avait dit tout ceci? Oui. Justement, tout ce qu'elle t'a dit, c'est vrai. Et je suis sûre, bientôt là, tu vas devenir grande sœur. Bébé, comment ça va? Elle se porte bien. Elle va bien. Actuellement, tu sais que ton petit frère qu'elle porte, parfois, il donne beaucoup de stress à ta maman. Ta mère va bien, sinon c'est les effets de la grossesse. We've been through many things. We've gone through many things. That turns our hearts. We've been through many things. We've gone through many things. Bébé, pardon, est-ce qu'on peut parler? Pardon, bébé, est-ce qu'on peut parler? N'ose plus jamais. N'ose plus jamais me toucher. M'as-tu entendu? N'ose plus. C'est bien. Je t'ai entendu. Mais pas de problème. Continue à faire tout ce que tu veux faire. J'ai essayé. Essayé de me rabaisser devant toi. Je suis fatigué. Fatigué de toutes choses. Fatigué de tes embarrassements. Fatigué de tes colères. Je suis vraiment fatigué de toutes choses que tu fais dans cette maison. Moi, j'ai besoin d'une femme, mais pas celle qui peut me rendre un fou. Tout ceci, c'est de ta faute. Oui, c'est ma grossesse. Je l'ai dit, c'est ma grossesse. C'est vraiment à cause de toi que je t'ai allé passer nuit à l'extérieur ce jour-là. Même tout ce que nous vivons ici, c'est toi qui es la cause. Et devine quoi? Je vais te laisser la maison. Et plus jamais, tes yeux me verront encore. Tu t'es bien entendu? Oh, vas-y. Tu peux aller où tu veux, ça m'est égal. Je m'en fous, Melvin. Tu peux aller où tu veux, je m'en tape. Va, va coucher avec d'autres filles et tu peux les engrosser. C'est bien pour toi, je t'ai refusé. Tu vas les regretter. C'est toi au contraire qui vas le regretter. Qui es-tu? Mais, qu'est-ce que tu veux? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux encore ici? Arrête. Hé, hey, arrête-toi là. Qu'est-ce que tu es venu chercher? Comme je te vois à l'extérieur, c'est pour me déranger. Alors, qu'est-ce que tu cherches ici? S'il te plaît, je suis grosse. Je m'en fiche que tu aies un endroit à aller ou pas. Je ne vais pas te voir ici. Ne me touche pas. Allez vite. Enlève tes mains. Je ne veux plus te voir encore autour de cette maison. Est-ce que tu me comprends? Je ne veux plus te voir encore. Allez, tiens-toi debout. Va-t'en. Allez, quitte ici. Va-t'en. Prends tes affaires. Que l'entre plus ici. Quitte-la. Ne me suis pas. Non, madame, on va te rendre le portail. Ne fais pas ça. Mervélie, ouvre la porte, s'il te plaît. Ouvre! Il faut bien faire ton travail. Viens ici. Ne le laissez pas entrer ici. Est-ce que tu m'écoutes? Il faut bien faire ton travail. Est-ce que c'est bien compris? Allez, vas-y là-bas. Ouvre la porte, s'il te plaît. Où irais-je, Mervéline? Où irais-je, s'il te plaît? S'il te plaît, où irais-je? Je suis grosse, je suis enceinte. Oh. Ouvre la porte, s'il te plaît. Ok. Allô? Ah, Henri. Henri, s'il te plaît, as-tu vu Melvin? Je ne l'ai pas non plus vu, son téléphone est éteint. Ça fait 4 jours que je ne le vois pas et ses numéros ne passent pas. Et qu'est-ce que tu veux dire? Il a quitté la maison, ça fait 4 jours et ses numéros ne passent pas. J'essaie de l'appeler, mais ça ne passe pas. Écoute, si quelque chose arrive à Mervyn, si quelque chose lui arrive,
En tout cas, je ne vais pas en parler au téléphone, non. Ah, allô? Henri, es-tu là? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Oh. Please come back to me. I'm sorry for all I've put you through. Oh, please forgive me. Cassie, écoute, si quelque chose arrive à mon frère, si quelque chose arrive à Mervyn, je vais te rendre misérable. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi es-tu si méchante et sans cœur comme ça? J'avais mis mon frère en garde à propos de toi. Je lui avais demandé de garder ses distances de toi. Mais il avait ignoré tous ses drapeaux rouges. Mais il s'est quand même décidé de s'engager avec toi. Mais tout ce que tu as trouvé bon, c'est lui amener le malheur. Tu lui as apporté le malheur et tu ne veux pas qu'il soit en paix. Je ne sais pas ce que mon frère a trouvé en une femme stupide, sans cœur et fille-mère comme toi. N'ose plus jamais juger mon passé. Comment oses-tu? Je vais te frapper. Je vais vraiment t'entendre. Écoute-moi très bien. Moi, je ne suis pas merveilleux. Si tu oses blaguer avec moi, je vais te frapper. Lisa. Lisa. Lisa! Lisa! Lisa, s'il te plaît, as-tu vu Melvin? S'il te plaît, je sais que tu connais là où il se trouve. Dis-lui de rentrer à la maison. S'il te plaît, Lisa. Qu'est-ce que tu veux dire? De quoi parles-tu? Melvin, en colère, il avait quitté la maison. Je ne sais pas où est-ce qu'il est parti. Tous ses numéros sont éteints. J'étais à son bureau. Ils m'ont dit qu'il n'est pas là-bas. S'il te plaît, aide-moi. Cassie, tu mérites ça dans le monde. Je suis sûre que tu es contente. Je suis sûre que tu es contente maintenant parce que tu lui as poussé à faire Dieu seul sait quoi. Je t'ai suppliée. Cassie, je t'ai suppliée de te laisser faire, mais tu ne voulais pas. Regarde maintenant comment tu as stressé un homme que tu aimais réellement à cause de ce stupide homme que tu avais fait. Lisa, s'il te plaît. Cassie. S'il te plaît. Prie que rien n'arrive à Mervyn. S'il te plaît. Prie, Seigneur. Rien ne va lui arriver. S'il te plaît. S'il te plaît, Lisa. Ne me laisse pas. Aide-moi à retrouver Melvin. Je t'en prie, ma chérie. S'il te plaît. Ne me fais pas ça. Ne pars pas, s'il te plaît. Sans moi, aide-moi à le retrouver. S'il te plaît. Ok, je suis désolée de te décevoir cette fois-ci. Parce que je ne veux pas me mêler dans ça. Tu vas les résoudre toute seule. Je t'avais averti. Laisse-moi. Lisa. Mon Dieu, qu'est-ce que je veux faire? Lisa, Lisa, s'il te plaît. I'm sorry for all I put you through. Please forgive me. Maman, quand est-ce que papa sera de retour? Maman, où se trouve papa? Mira, laisse-moi tranquille. Dégage de ma vue. Va dans ta chambre. Laisse-moi. Ah. Qui est là? Fidèle, qui est là? Madame, c'est cette femme-là qui avait dit qu'elle est la grossesse des patrons. Fais-la entrer. Mmh.
Bonsoir, madame. Jeune fille, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux réellement? Madame, s'il te plaît, je n'ai ni par où aller. Là où j'habitais, ma mère m'a chassée parce que je suis grosse, s'il te plaît. Laisse-moi devenir ta bonne. Il sera toujours ton mari, pas le mien. Tu veux devenir ma bonne pendant que tu es enceinte de mon mari? Écoute, je te donne 5 millions de naira pour que tu nous laisses tranquille. Tu as presque tout fait. Cet argent te permettra de trouver un appartement et que tu élèves ton enfant. Et tu pourras commencer un business. Je ne vois pas mon mari, ça fait déjà une semaine. Même pas au téléphone. Tu as beaucoup fait. Laisse-nous tranquille. Tu as rejeté l'offre? C'est ton problème. Tu veux venir vivre ici? Viens, viens, Melville va te épouser. Ça fait plus d'une semaine que je n'ai aucune nouvelle de Mervyn. Aucune nouvelle d'elle et je n'en sais rien. Tous ses numéros sont éteints et je n'ai aucune information de lui. Et tous les gens auprès de qui je peux me renseigner n'ont aucune information de lui. Je suis vraiment inquiet. J'ai patrouillé dans tous les hôpitaux et personne n'a pu enregistrer un cas de victime ou d'un accident comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Où peut-il être? Peut-être qu'il a voyagé hors du pays pour un peu se déstresser par rapport au stress que Cassie lui a donné. J'avais vraiment prévenu mon frère à propos d'elle. Je lui avais demandé de quitter cette relation toxique, mais il n'avait pas écouté. Oh. Il a brûlé tous les feux rouges et maintenant je ne sais pas ce qui lui arrive. C'est compliqué là. Oh, chérie, tu t'inquiètes un peu trop. Je pense que c'est pour ça qu'il ne t'a pas dit de quoi il s'inquiétait réellement. Et ça, c'est son affaire et non mienne. Oh, c'est vrai. Maintenant, là, c'est tes affaires parce que nous parlons d'un frère et tu es inquiet. Ça va. Oh, ton téléphone. C'est Mervyn. Allô? Allô, mon frère? C'est comment? Oui, je vais bien. Henri, viens me voir à la place habituelle, d'accord? Oh, ok, ok, tu me vois dans un peu de temps. Oh, c'est bien, ok. Oh, où il se trouve? Elle m'a dit qu'elle est en route. Elle est en route. Ok. Nous devons y aller, ma chère. Ah, ok, chérie, je viens avec toi. Oh, d'accord. Papa est là. Chérie, je suis tellement désolée. Comment ça va? Désolée. Désolée pour tous les stress que j'ai eu à te donner. D'accord, pas de problème. Assieds-toi. D'accord. Assieds-toi. Ah. Oh, désolée. Je suis là maintenant, ok? Je suis là. Reste avec moi. Je t'aime toujours, ok? S'il te plaît, je te promets de ne plus jamais le refaire. Hé, hey, ça suffit, ok? Le plus important est que je t'aime. Ça, ce n'est pas un problème, ok? Alors, je t'aime. Et je prends la responsabilité de toutes choses. J'admets que c'est de ma faute. Non, ce n'est pas de ta faute, c'est la mienne. J'essaie de protéger ce qui m'appartenait. Je ne savais pas que j'étais en train de ruiner mon mariage. Hé, hey, ça suffit, s'il te plaît. Viens là, ça suffit. Viens ici, je te pardonne, d'accord, ok? D'accord, chérie, merci.